What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de... Je dois parler ? Zoé ! De Zoé Vidéo, ma copine, qui est aux États-Unis actuellement. Il est 3h du matin chez elle, je crois, un truc comme ça, 4h. Il est 4h maintenant, ouais. Quel enfer ! Du coup, moi j'ai dû me lever tôt pour filmer cette vidéo avec elle, parce que je voulais trop filmer avec elle depuis longtemps. Alors, ça fait un moment qu'on voulait tourner une vidéo ensemble, mais on n'avait pas d'idée, parce que premièrement, elle est carrément à l'autre bout du monde, on est décalé au niveau jet lag, et en plus de ça, c'est le confinement, donc je peux même pas y aller, tu vois. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire l'idée que Deolink et Lilay avaient fait sur leur chaîne où ils dessinaient des personnages de cartoon, parce que vous savez très bien que j'adore dessiner, et Zoé a des skills en Photoshop inestimables, dont j'ignorais l'existence. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le challenge, ça consiste en écrire des noms de personnages qu'on ne connaît pas, on va piocher au hasard, et il faudra les dessiner sans aller voir sur Google, juste de mémoire. Et voilà, on a écrit des noms sur des papiers, chacune de notre côté, on va les découper, on va les mélanger, et puis on va tirer au hasard. On aura 10 à 15 minutes pour faire un personnage, on sait pas combien de temps encore, parce que, à mon avis, ça va être un peu complexe, mais c'est parti! Du coup, c'est parti, on a fait des petits papiers et je vais en piocher un. Puis après, je vais en piocher un, etc. On va faire 4 personnages par vidéo, parce qu'il y en a une sur ma chaîne et il y en aura une sur la sienne aussi en ce moment même. Du coup, n'hésitez pas à aller voir, ce sera en description. Mais d'abord, restez jusqu'à la fin parce que ça risque de promettre. Mélangeons devant la caméra comme une grosse lag, je vous regarde les abonnés. Et il s'agit de... Ah putain, la meuf dans Roger Rabbit. La rousse. La rousse en robe trop sexy qu'elle a... Du coup, on va tester avec un minuteur de 10 minutes. C'est parti, tu es prête? 3, 2, 1 et go. Ok. Sa chevelure là elle est vraiment pas sexy. Attends, je vais faire vraiment un truc sexy, genre en mode ouh. Et puis là on repart en haut. Parce que oui, moi je commence toujours les personnages par leurs cheveux, je sais pas pourquoi. Elle a genre un méga œil, il me semble. Un visage super sexy. Oh là, pas... Putain, c'est super dur. En fait, je me rappelais pas à quel point c'était compliqué. Genre 10 minutes c'est short en vrai, hein. C'est trop moche, qu'est-ce que je suis en train de faire. Je stresse en vrai, c'est trop bizarre, mais je stresse. Je sens la catastrophe vraiment, genre. On va lui faire genre des super gros seins. Oh mon dieu, on a tellement pas le talent. J'espère qu'en couleur ça donnera mieux qu'en noir et blanc, parce que là c'est dégueulasse. Il reste 7 minutes, mais non mais meuf c'est impossible. Je crois qu'on va faire avec 15 minutes parce que là c'est pas possible. Ah là ça ressemble déjà un peu plus. Ok, donc de ce côté là ses cheveux. En vrai je tremble, je sais pas si c'est la fatigue ou le stress. Si vous voulez voir du skill, allez voir la vidéo de base de Deolink et de sa copine. Parce que c'est pas ici que vous allez en trouver les gars. Il me semble qu'elle a une robe genre hyper belle et hyper classe. Elle a des grosses hanches. Eh mais en vrai je vais me reconvertir en artiste et tout, hein. Je vais faire Picasso, ça va être très très bien. Oh, mon truc bug, non, arrête de bugger, non non c'est pas le moment de bugger. Je suis en pleine compétition. Oh putain j'ai fait des jambes de bûcheron. Rebecca Rabbit, mais qu'est-ce que je suis en train de lui faire? C'est atroce. Mais en plus, je me rappelle exactement sa tête, tu vois, ça me saoule. J'y arrive pas. C'est genre, je me rappelle, mais je suis incapable de faire la même tête. Bon, ça fait un peu personnalisé comme dessin, mais je trouve qu'on a, un petit mood ici. J'ai pas le temps de niaiser, c'est avec l'autre truc qu'on va faire les couleurs plus importantes, là, la bouche et tout. Là, c'est juste la couleur de peau, donc j'y vais en mode... Ok, il va falloir faire en 15 minutes, sinon c'est impossible. Genre vraiment, 10 minutes, on s'est pris pour les meilleurs artistes du monde. Les cheveux, elle est rousse. Genre rousse foncé, rouge. Là, on a la bonne couleur, hein. Non, elle a pas les cheveux longs. Elle a pas les cheveux longs. Je pense qu'elle a vraiment une espèce de grosse touffe comme ça. On va lui mettre une robe rouge, rouge foncé comme elle a. Il me semble qu'elle est comme ça, sa robe. Je teste. Ouais, c'est ça. C'est à peu près... Non, elle est rouge ou elle est violette, sa robe. Attends. Ouais, voilà, c'est plus ça. Voilà. J'en sais rien. Vous en pensez quoi, là? Je suis sûre que Zoé est en train de galérer de son côté. Ah, ses chaussures, j'ai oublié ses chaussures. Il y a même pas... La chaussure n'est même pas délimitée. Genre, en fait, on dirait qu'elle a un pied nu et un pied avec une godasse. On dirait juste qu'elle a marché dans une énorme mare de sang. Ok, donc on est sur ça pour les vêtements. Ok, donc les yeux, j'ai l'impression qu'elle a les yeux rouges, violets, je sais pas pourquoi, mais... On va faire des ombres, comme ça, ça va donner un peu plus d'effet. Je tente des trucs, hein, les gars. Ça fait très peur, là, pour l'instant, j'avoue. Je conçois que ça fait extrêmement peur. Mais qu'est-ce que je suis en train de... Attends, déjà, c'est pas ce verre-là, c'est un verre beaucoup plus foncé, plus sexy. Voilà. C'est dégueu, putain. Ah, j'ai oublié de faire ses lèvres. Voilà, elle a les lèvres qui brillent, c'est joli. Alors là, dégueulasse. Le rouge à lèvres. Putain. Alors là, je suis désolée, ça ressemble absolument pas. Allez Zoé, il te reste moins d'une minute. Ah, il te reste 35 secondes, moi j'ai terminé, mais c'est absolument dégueulasse. On laisse Zoé se concentrer jusqu'à la fin. Tu dis que tu me laisses me concentrer, mais je t'entends, hein. Ok, fini. Ah, c'est trop stressant, c'est trop stressant. Mais c'est super dur. What? Mais elle est trop bien réussie, toi. C'est quoi cette blague? Je suis vraiment nulle à chier. Tu trouves? Meuf, tu veux... regarde ce que j'ai fait, moi. Tu vas te foutre de ma gueule, genre. Elle est cool. N'empêche, on est parti dans le même mood. Ouais, en mode... Sauf comment on dirait un personnage qu'un enfant de 8 ans a dessiné. Et toi, on dirait vraiment la meuf. Genre, on la reconnaît. Moi, on sait pas. On la reconnaît, tu trouves? Mais oui, de ouf. Ouais, mais non. En plus, elle a des gants et tout. Elle a des gants mauves en plus. Comment on aurait pu penser qu'elle avait des gants mauves?
la meuf. Moi j'avais oublié, mais je savais qu'il y avait du mauve et du coup sur son ombre à paupières j'ai mis du mauve, mais... Et moi j'ai fait les seins beaucoup plus gros, n'empêche. Ouais mais bon, en même temps c'est la première chose qu'on se souvient d'elle, c'est ses seins et ses hanches. Moi j'ai tenté, mais honnêtement... Mais punaise, en plus elle est pas si dure à faire, tu vois, c'est ça le pire. Je trouve qu'on peut m'accorder une chose, comment elle tient ses pieds. Genre son pied est bien courbé, parce que ça je me souviens que quand j'étais petite ça m'avait hyper fort marqué la manière dont elle mettait son pied dans sa chaussure. Je me disais mais c'est pas possible de marcher comme ça. En plus t'as bien fait les gros seins, les talons, t'as fait des formes correctes. Moi j'ai pas réussi, après mon logiciel bug un peu. Ouais, le mien aussi il buguait, ça faisait chier. Anthony il a fait un truc trop débile. Moi j'ai trop foiré là, le truc. Elle est toute molle, elle a aucun sex appeal, alors que celle de Zoé elle est grave sexy, elle a trop retenu. Mais moi je savais à quoi elle ressemblait dans ma tête, je l'ai. Mais j'arrive pas à retranscrire dans ma tête ce que je vois sur l'écran, c'est trop chiant. Mais bon c'est pas grave, pour les prochains j'espère que je vais mieux faire que ça. C'est parti, dessin numéro 2. Ok, je vais piocher. Tu vas me taper. C'est quoi? Sengoku, le petit Sengoku. Ah ouais, je vois comment il est. Putain, je vais encore le foirer et tout. Genre, ça va être l'enfer. Oh là là. Je vois dans ma tête à quoi Sengoku ressemble. J'ai même pas regardé Dragon Ball Z, mais je vois, donc ça devrait aller. 3, 2, 1, go. Ça commence déjà de mal la taille de la forme de la tête, mais c'est pas grave. Je me rends compte que je suis grave nulle en dessin, ça me saoule. Ses cheveux qui sont globalement extrêmement bordéliques, noirs, qui sont, voilà, ses cheveux palmiers. Voilà, j'ai l'impression qu'il a les yeux un peu plus comme ça. Les sourcils, ma chérie. Oh là là. Et qu'il a les yeux comme as. Tac, tac. Ok. On va le faire avec une petite bouche, ce que j'aime bien. En fait, ça va être un mix entre Sacha de Pokémon et Sengoku, tu vois. Pourquoi j'arrive jamais à faire les mêmes yeux du des deux côtés? C'est relou. Oh, c'est beaucoup trop grand, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Zoé, ça va pas? Oh mon dieu, mais... En fait, Zoé dessine sur tablette, du coup c'est pour ça qu'elle dessine mieux que moi, voilà. Donc vous ne pouvez pas m'accuser de mauvais dessinage parce que je dessine sur PC. Il a un équipement orange, on va mettre des petites mains en point comme ça, je m'en fous. Vas-y, je m'en fous de ses mains, on s'en fout, on dessine sur PC, nous on n'a pas de tablette, nous. Du coup c'est dur avec une souris de merde là. J'invente, hein. Je sais qu'il a un truc avec Kame écrit dessus, genre, ou je crois pas que c'est le bon kanji. Je dessine vraiment de tête en mode la meuf qui a jamais regardé l'anime, quoi. Je sais qu'il a une tenue orange et que des petites chaussures noires, genre des petites ballerines là. C'est dégueulasse, on dirait des... Vous savez les biscuits porte-bonheur du nouvel an? Bah c'est ses chaussures. Et il est sur un petit nuage. Hop, 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 hop. Putain, j'ai l'impression que je suis en train d'inventer un personnage. Pour l'instant, je suis rassurée parce que au moins, il m'est revenu en tête plus facilement que l'autre. Donc j'ai un peu de temps pour peaufiner les détails. Puis comme j'ai vu que j'avais une adversaire de taille, du coup... C'est en mode, oui, je vais me battre contre toi, alors qu'il est genre super puissant. Je lui donne vraiment une allure de petit gamin. Oui, je me concentre carrément sur un petit nuage inutile alors que tout le reste de mon dessin est absolument pas fondé. La couleur de peau, on va partir sur du beige clair. Non, il est rose cet enfant. La bouche, on va lui faire une petite bouche, faire du foncé. Putain, j'ai envie de pleurer, c'est dégueulasse, ça me saoule, la la la. Bon, on va partir sur ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous avons un problème, de toute évidence, nous avons un problème de timing, je suis sûre que je suis blindée en retard. Il reste combien de temps là? 5 minutes, ok, il me reste 5 minutes. C'est déjà mieux que l'autre dessin, désolée, mais Jessica Rabbit c'était vraiment le pire truc. Genre la meuf, je l'ai vraiment pas respectée, je l'ai fait à l'arrache, c'était trop chum. Là, les couleurs, je suis paumée pour les couleurs, tant pis, écoute, tant pis. Je sais même pas à combien on en est, hein, au niveau du temps, hein. Sun, elle me tient même pas au courant hein, là. Voilà, alors pour l'instant on est sur ça au niveau de la tête, c'est pas ouf, je le conçois, mais c'est pas grave. On va passer sur du orange du coup pour faire son uniforme, parce que bah du coup oui hein, voilà, tout le monde sait que l'uniforme de dans les DBZ et tout, ils sont orange avec du noir avec du ouais, je sais pas, je sais qu'il y a du orange en tout cas, c'est ce que je sais, c'est déjà beaucoup. En vrai c'est ça, non? Tous les fans de DBZ sont en train de me buter là, ils sont dans les commentaires. Ouais, c'est dégueulasse! Comment as-tu osé faire ça à Sengoku? Oh mon dieu, il appelait Sangohan en plus, t'as pas honte? Quand même. Ah, à chaque fois que je fais des dessins, de toute façon j'ai pris l'habitude de m'excuser parce que je sais que vous êtes super gentils en commentaire, vous allez me dire mais non meuf c'est réussi, mais... Et voilà où on en est, il me reste une minute, trop moche. Il est moche mais au moins il est reconnaissable du coup, voilà. Ok, c'est fini. Tu m'as saisi. Je suis déjà plus contente de ce Sengoku là que de la première Jessica Rabbit qui était juste atroce. Là tu l'as vraiment fait tout bébé quoi. On dirait un bébé dans ses couches. Putain mais oui mais t'as trop de skills, c'est abusé. En plus sur le t-shirt j'avais rien réfléchi meuf, je croyais, je savais qu'il y avait un nuage avec lui. Oui il était tout orange, par contre il manque une ceinture. Ah ouais il était tout orange, mais tu vois qu'il y a des versions de lui bleu. Ouais il y a des versions de lui bleu. Les yeux je les ai défoncés. Ouh. Genre tu sais les Dragon Ball ils ont vraiment des yeux hyper faciles à faire et j'ai encore réussi à foirer quoi. Genre j'avais juste à faire deux points blancs. Tu vois moi c'est Sacha de Pokémon en fait, le visage et tout, ah oui, les yeux et tout. Ouais, trop drôle. En fait on voit que c'est Dragon Ball mais on se dit c'est Sacha, mais tu sais moi j'étais folle amoureuse de Sacha donc c'est normal tu vois. Ah c'est pour ça, il est bien resté ancré dans ta mémoire. Moi je pense à Sacha tous les jours. Elle s'endort la nuit, Sacha.
Ah! Du coup, voilà les deux dessins. Honnêtement, ça me saoule. C'est déjà mieux que celui d'avant pour moi. Oui, bon, voilà, toujours bien. On va bientôt arrêter le massacre et on va passer du coup au troisième dessin. C'est parti. Du coup, piochage du dernier personnage. C'est parti. Sam des Totally Spies. Ça va encore être une sacrée histoire, tout ça. 3, 2, 1, c'est parti. Cette fois-ci, je vais faire un petit effort. Donc, je vais directement faire sa tête. Les gars, je sais pas du tout. Moi, je me souviens. Mais Totally Spies, c'est genre vraiment dessin manga. Il me semble qu'elle a une sorte de coupe de cheveux, genre. Comme ça, ça remonte comme ça, j'ai l'impression, ses cheveux. On va faire comme ça. Je crois que je suis en train de lui inventer une coupe de cheveux, mais... Voilà, ça ressemble un peu plus, déjà. On lui invente des cheveux. Je suis pas du tout en train de dessiner les cheveux de Daphné de Scooby-Doo, c'est faux. Et les tenues, en fait, c'est juste une bête tunique verte. Et la tenue de Sam, bon, pas très compliquée à ce niveau-là. Il suffit de prendre son petit verre et... On lui met sa petite tenue. Tac. Est-ce qu'ils ont des gants, les Totally Spies? Toi. Elles ont des seins. Donc cette fois-ci, je dessine les seins parce que Jessica Rabbit, là, ses seins inexistants, on en parle ou pas? Je me souviens, elles étaient trop belles, les Totally Spies. Je les regardais jamais, mais elles passaient en même temps que Pokémon le matin. Je pense qu'elles ont des plus grandes jambes. Elles ont des super longues jambes, il me semble. On lui fait une taille marquée. Non, je rigole, ça, mais elle a pas des hanches comme ça. Elle a des hanches plutôt regular. Voilà, des petites hanches. Nous avons un problème, Houston. Ses hanches ont un problème de jambes. Ok, bon, si je perds trop de temps sur le corps, ça devient ridicule. C'est facile parce qu'elle, il n'y a pas trop de couleur de peau, vu qu'il n'y a que son visage et son cou, donc ça c'est tranquille. Les cheveux, on va prendre du roux bien roux là. Ouais, comme ça, ça passe. Il me reste combien de temps là? Attends, il reste... 8 minutes, ok. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que je dessine. De toute façon, son corps il est vert, on est d'accord? Ok, maintenant, au niveau des fringues, on prend un vert, je crois que c'est un vert comme ça. Ouais, exactement la bonne couleur, madame. Après, elle est rousse orange, elle, hein. Rousse orange ou rouge? Et là, les yeux verts aussi, quoi. Du coup, c'est pas très compliqué non plus, ça. Ok, voilà ce qu'il en est pour tout le contour et tout. Maintenant, il faut s'occuper du visage. Et ça, c'est encore autre chose. C'est la merde. Après, les Totally Spies, elles ont pas des yeux très compliqués. Donc, on va faire comme ça, je pense. Voilà, tu vois, là, c'est bien. Là, c'est bien, patapeng. J'ai trop du mal avec les yeux, c'est horrible. Et on va essayer de faire la bouche que j'avais appris l'autre fois. Youp, 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 youp. Oh là là. C'est terriblement laid, mais c'est pas grave, écoute, c'est ma Sam, on accepte les gens comme ils sont, c'est pas parce qu'ils ont des drôles de tête qu'ils sont pas beaux, qu'ils méritent pas d'être en vie, et puis quoi encore? Il te reste 38 secondes. Les sourcils! 15 secondes. Je voulais juste faire des sourcils, ça fait chier. Voilà! Bon les gens, j'ai pris une résolution, je vais totalement arrêter de dessiner, voilà, j'espère que mes deux vidéos sur le dessin vous ont plu, parce que c'est terminé! Ok! Voici mon chef-d'œuvre foireux. Et on part sur le même mood, genre, exactement. Fais voir un peu la tienne. Mais what? Mais c'est trop stylé! Mais toi, t'as carrément fait un truc et tout en mode... Oh là là! Genre, moi, ils sont juste statiques, là. Je voulais que ça donne l'impression que c'est une Totally Spies qu'elle est en mission, là. Moi, j'ai pas du tout le visage, non. Hein. Mais pareil, le visage! Y'a un gros problème. En fait, elle a une espèce de grosse boule au milieu de ses cheveux. Ouais! Et toutes les deux, on s'est souvenu qu'elle avait les cheveux en arrière, mais pas exactement oui. Comment. Moi, je savais qu'elle avait les cheveux en arrière parce que chaque fois, je me dis, mais comment elle fait pour faire tenir ça, cette meuf? Et je me souvenais qu'elles avaient des jambes géantes, mais j'osais pas les faire trop grandes. Par contre, les lèvres roses, je suis contente, j'ai pensé à les faire. Moi, je suis fière de mes chaussures, par contre, j'ai genre grave les mêmes chaussures. Ouais, les chaussures talons. Bref, du coup, voilà ce qui signe la fin de cette vidéo. Mes dessins sont nuls à chier, c'est incroyable. Mais du coup, déprécier. Mais c'est vrai. Il faut savoir dire les choses quand elles sont vraies. Du coup, merci beaucoup de l'avoir regardé. Bah, du coup, regardez la vidéo de Zoé qui est sur sa chaîne. On a fait la suite. je l'ai pas encore tournée, donc je sais pas quelle horreur j'ai pu lui faire, mais bon. N'hésitez pas à y aller et à vous abonner à cette chaîne ou à la sienne. Si la vidéo vous a plu, je vous fais de nombreux bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!